Aujourd'hui, il y a 45 000 policiers et gendarmes qui sont mobilisés pour la cérémonie d'ouverture et pour le reste des événements à Paris. Il y a des fan zones. Il y a quelques milliers de militaires qui nous aident. Donc il y a plus de 50 000 personnes qui, ce soir, vont protéger les Français. On retrouve Laurent Nunez, préfet de police de Paris. On parle menace terroriste, évidemment, avec vous ce matin, devant cette cérémonie qui va ouvrir dans quelques heures. Vous connaissez précisément l'état de la menace aujourd'hui ? L'état de la menace, il est connu. On a des services de renseignement, je veux le redire, le ministre l'a dit, qui sont parmi les meilleurs services du monde. On a des services de très haut niveau, donc voilà, donc qu'ils le disent tous, il n'y a pas de menace caractérisée contre les Jeux. Maintenant, il y a un état de la menace terroriste dans notre pays qui est à haut niveau. Comme il est dans tous dans toutes les démocraties d'Europe. Et donc, c'est pour cela que le dispositif que nous avons mis en place... Il est de très haut niveau. D'abord, une mobilisation complète des services de renseignement dont je viens de parler. À la préfecture de police, nous avons renforcé significativement la sécurité de nos systèmes d'information. 45 000 gendarmes pour l'ensemble et policiers. De la journée, ce qui est énorme, et ce qui nous permettra d'assurer la sécurisation du public, des transports en commun, de l'environ de la cérémonie, des toits, c'est très important. Il y aura beaucoup de tireurs point haut, du fleuve, avec évidemment la brigade fluviale de la préfecture de police qui est mobilisée, mais pas seulement, il y aura le raid aussi qui sera mobilisé sur le fleuve. Donc voilà, on a un dispositif qui est de nature, au-delà de l'action des services de renseignement, à détecter le plus rapidement possible une action malveillante. Évidemment, y mettre immédiatement un terme. Préfet de police de Paris, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de France Info ce matin. On attaque. Okay. Aujourd'hui, on se concentre vraiment sur la cérémonie. Je pense qu'on va pas. Joseph. Bonjour Monsieur le Préfet, bonjour tout le monde. Pour l'instant, pas d'intervention dans la gare de Montparnasse. Et en raison de la carte de caténaire qui est tombée à proximité de la gare de Bangle, il y a eu une rave avec des passagers qui est en cours d'évacuation hors quai par la SNCF. On leur a demandé s'ils avaient besoin de nous, ils n'ont pas besoin de nous. Pour la journée, on a 3000 sapeurs pompiers et 600 véhicules qui sont sur le quai. Ok, très bien. Merci beaucoup. Monsieur le directeur zonal pour le CRS. Tout le monde est là, tout le monde est prêt. Ok, donc il faudra qu'on... Donc là, c'est bon, les instructions, ça va être super important. Parce que là, comme dit Jérôme, on serre la vis. Donc, mais il y en a quand même qui doivent rentrer, quoi. C'est ça la difficulté. Et pour le périmètre gris, hein, donc on a imposé, enfin la zone antiterro, on impose un document justificatif en plus du QR code. Je rappelle, hein, pourquoi on fait ça? On fait ça parce qu'on a distribué 400 000 QR codes. 400 000. Dans la semaine, en fait, hein, pour des gens qui sont des visiteurs, des travailleurs, qui ont pu venir qu'une fois, mais qui, du coup, ont le titre d'accès, qui, si on ne faisait pas ça, si on n'arrêtait pas les compteurs à 13h, serait valable pour aller aux abords de la cérémonie. Donc c'est vraiment pour ça qu'on fait ça. Donc on demande un justificatif qui sert à s'assurer que la personne qui a le QR code vient bien spécialement dans cette zone parce qu'elle a un truc à y faire. Sur la cérémonie d'ouverture, sur le réseau francilien, évidemment dans les gares. Sur tout le réseau, y compris le RERB en surface, par exemple, oui. 7500. Voilà, signature de l'arrêté qui permet l'ouverture au public de la cérémonie d'ouverture organisée le 26 juillet.
Vous teniez à être là pour accueillir les premiers visiteurs, c'est ça? Non, accueillir non, mais pour voir si surtout les policiers, les gendarmes sont bien en place, c'est plutôt pour les accueillir eux, quoi. D'accord. Et vous voyez que les flux sont assez distancés parce qu'il y a des fouilles et des palpations très sérieuses qui sont faites par les forces de l'ordre, hein, ici. Hein. Bon allez, on y va. Bon, à tout à l'heure. Ouais, allô? On a des banderoles sur la conciergerie, Jérôme? Non. Non, pour l'instant, non, mais on regarde. Des banderoles sur la conciergerie? On va regarder, on y va. Ouais, ciao. Ils arrêtent pas de dire qu'ils vont faire une action. Ouais, mais faut qu'on fasse gaffe, quoi. C'est pour ça que tu lui fais passer le message un peu, attention, sois super vigilant. Ça va, vous allez bien? Oui, très bien. Merci beaucoup, merci à vous. Bonjour, merci à vous, merci de votre présence. Bonjour, merci beaucoup, merci de votre présence. Si, monsieur le préfet, tout se déroule bien, on a l'impression que voilà, il y a beaucoup de police, mais l'ambiance est détendue aujourd'hui. Oui, la sécurisation des Jeux Olympiques se passe bien. Ça a très bien commencé avec la cérémonie d'ouverture qui s'est passée sans incident. Et donc on continue à sécuriser maintenant les sites de compétition ou les sites de célébration, comme ici au club France, hein, et au parc de la Villette, où il y a plusieurs comités nationaux olympiques qui sont réunis, où les athlètes viennent pour célébrer leurs médailles. Donc voilà, on est attentif partout en termes de sécurisation dans toute la région Île-de-France, hein, dont j'ai la responsabilité, moi, donc Paris et tous les environnements, toute la région parisienne. Voilà, ça se passe très bien. Voilà, mais on reste pour autant très très vigilant. Voilà, on a de nombreux policiers qui sont des policiers de la préfecture de police ici, qui ont été renforcés d'effectifs qui viennent de la France entière. Et là, à l'instant, je viens de saluer des effectifs qui sont mes effectifs présents tout au long de l'année, et aussi des renforts, et y compris des renforts étrangers, puisque nous avons des renforts de tous les pays, de nombreux pays, à 1800 renforts au total, qui nous aident dans les missions de sécurisation. C'était le cas ici avec un petit détachement de policiers portugais qui est principalement affecté à la sécurisation de ce site. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. La sécurité de nos athlètes. Oui, on met le paquet. Non mais vraiment, nous on vous sécurise, vous gagnez des médailles. C'est bien. On en a combien aujourd'hui de judo? Judo, une. Ouais, mais en tout. En tout, ça doit être 5 maintenant. 6 maintenant. 6.
la multiplicité des sites, c'est énorme. Oui, ça multiplie les risques. Ça multiplie les risques. En plus, moi, avec la loi JO, j'ai toute la région Île-de-France. Là où d'habitude, j'ai le 92, le 93, le 94. Là, j'ai la grande couronne. Et on travaille en bonne intelligence avec les préfets. Donc ça, c'est un souci de moi. Je n'ai pas les... J'ai des échelons territoriaux de qualité. Donc ça, c'est bien. C'est qu'on laisse aucun territoire, malgré les jeux, il n'y a aucun territoire qui est délaissé. Ça, c'est sûr. Les commissariats fonctionnent normalement. Vous avez toujours une dizaine de patrouilles en antidélinquance, hors police secours. Bon, et bientôt, bon courage. En tout cas, merci beaucoup. Bon courage à vous. Merci beaucoup, commandant. Bon courage. Bon retour, merci. Vous voulez montrer qu'on travaille partout, parce qu'il n'y a pas que les JO. Indépendamment, encore une fois, des JO, des dispositifs qu'on a mis en place, la vie continue et de manière plutôt efficace. Hein. J'en félicite évidemment la DPJ qui est un peu le chef de file de tout ça. Voilà, la vie continue et c'est important de rappeler qu'on est très présent sur le judiciaire, sur le démantèlement de réseaux, sur la Crimorgue et sur les réglos en essayant d'être le plus proactif possible. Quoi. L'équipe qui a travaillé depuis le 26 juillet sur le Stade de France. Partout vent, tout temps, beau soleil, grande chaleur et tout ça. En parfaite, il faut bien le dire, en parfaite coordination avec vos services. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont protégés, les agents de sécurité, les militaires, les gendarmes, les policiers, les pompiers et les secouristes. Bravo à vous tous.
Je pense que c'était un moment d'éternité. Enfin, moi, je ne crois pas en grand-chose en ce bas monde. Je crois en l'éternité. L'éternité, c'est ce que laissent, c'est les traces que laissent les femmes et les hommes dans ce bas monde. Et je crois que la cérémonie artistique, ce sera un moment d'éternité. Et nous, on y a participé. Merci beaucoup.